Lors de sa rencontre historique avec Kim Jong-un, Donald Trump s'est autorisé une petite blague envers les photographes qui mitraillaient l'entretien. Un grand moment de solitude capturé en vidéo. Rencontre au sommet cette nuit entre Donald Trump et Kim Jong-un. Une première entre un président américain et un chef nord-coréen. Durant cette rencontre, Donald Trump a tenté de faire promettre à son nouvel ami la dénucléarisation totale de la Corée du Nord. Au sortir de ce moment historique, le président américain a accordé une longue conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé que tout s'était bien passé entre lui et Kim Jong-un. Nous avons signé un document global, très exhaustif, a précisé l'homme le plus puissant de la planète, comme le rapportent nos confrères du. Je pense que ce document nous mènera à la dénucléarisation. Je pense qu'il va engager le processus tout de suite, dès qu'il va atterrir en Corée du Nord. Je remercie Kim d'avoir pris le premier pas courageux vers un avenir radieux pour son peuple. Le conflit d'hier ne doit pas être celui de demain, les adversaires d'hier peuvent devenir nos amis. N'importe qui peut faire la guerre, mais il faut être courageux pour faire la paix, plus grand que Kim Kardashian et Donald Trump. Les incroyables résultats de leur entretien à la Maison Blanche lors de cette rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, plusieurs séances photos ont été accordées aux journalistes accrédités. L'une d'entre elles a retenu l'attention de nos confrères de Nowdis. Nous y découvrons Donald Trump demandant au photographe si tout se passait bien, s'il arrivait à rendre les deux hommes d'État beaux, minces et parfaits. Une question restée sans réponse et face à laquelle la tête du leader nord-coréen dit long.